Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo comparative d'OKM 3D. Donc aujourd'hui nous faisons cette vidéo car il y a une nouvelle entrante sur le marché, donc la Zortrax M300 Dual. Nous allons la comparer aujourd'hui avec la Ultimaker S5 et la Race 3D Pro 2. Donc c'est des machines qui rentrent à peu près dans la même gamme, notamment de prix, puisqu'on se situe entre 3 et 6 000 euros. Donc toutes les trois sont des machines conçues pour les professionnels, en double extrusion. On est sur des volumes d'impression similaires. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire différents tests, notamment avec du PLA, de l'ABS, du PVA, mais également du nylon. Donc pour vous montrer en fait un comparatif sur ces différentes machines et essayer de déterminer laquelle est la plus adaptée à vos besoins. Donc pour ce faire, on va faire un détail des caractéristiques techniques de chacune des machines et ensuite nous ferons la comparaison de tout cela. Donc nous allons commencer par la présentation de la Zortrax M300 Dual. Donc cette imprimante 3D est proposée à partir de 4000 euros hors taxes. Vous pouvez ensuite évidemment rajouter des options. Donc cette imprimante a un volume d'impression de 265 par 265 par 300 mm, ce qui représente 21 litres, donc vous pouvez voir ici le volume d'impression. Il y a donc deux buses, puisque l'imprimante est en double extrusion, donc les deux buses fournies sont des buses de 0,4 mm qui peuvent atteindre des températures jusqu'à 310 degrés. La résolution de l'imprimante se situe entre 100 et 300 microns. Vous pourrez voir également donc la plateforme de fabrication. Donc la Zortrax est équipée de la plaque perforée comme les autres modèles de la gamme, mais également d'une plaque de verre. Donc pour la calibration, vous pouvez le faire soit manuellement, soit laisser la machine le faire automatiquement. Vous pouvez voir également sur l'imprimante un écran tactile qui est d'ailleurs le même que sur l'Inkspire ou la M200+. Au niveau des têtes d'impression, il est donc très facile de les changer. Chaque module est vendu au prix de 110 euros hors taxes et chaque buse pour 8,90 €. La connectivité de l'imprimante se fait donc par Wi-Fi, LAN ou USB. La couverture, le couvercle plutôt d'impression n'est pas fourni avec la machine car il est en option et donc il vous en coûtera 210 euros hors taxes pour vous en équiper. Il est également intégré avec un filtre HEPA. Au niveau des filaments, donc ils sont à l'arrière de la machine. Je vous les présenterai un peu plus en détail par la suite, puisque nous verrons l'arrière de la machine. Il s'agit d'un filament en 1.75 et il y a une boîte séparée pour le filament support pour le conserver. Au niveau de la sécurité, vous avez une caméra donc que vous pouvez contrôler à distance. Vous avez ce qu'on appelle un run-out sensor pour le filament, ce qui vous permet de savoir si il y a du filament ou pas dans la machine. Une nouveauté, c'est le jam sensor, donc qui vous permet tout simplement de savoir si le filament s'écoule normalement ou non. Et vous avez également une solution en cas de coupure de courant. Finalement, pour le software, toujours le même que pour les machines précédentes, donc avec Z8, mais qui inclut maintenant un outil pour contrôler plusieurs imprimantes en même temps, si vous les utilisez pour des fermes d'impression. Nous allons donc maintenant découvrir l'Ultimaker S5 qui commence à un tarif de 5500 euros hors taxes. Donc il y a sur cette machine un volume d'impression de 330 par 240 par 300, ce qui représente 23,76 litres que vous pouvez découvrir ici. La machine est donc livrée avec deux buses de 0,4 mm, mais vous pouvez également y installer des buses de 0,25, 0,6 et 0,8 mm. La température maximum de ces buses est de 280 degrés et vous pourrez atteindre des résolutions entre 20 et 600 microns en fonction des buses utilisées. Le plateau d'impression est donc un plateau en verre qui peut atteindre une température de 140 degrés.
Au niveau de la calibration de ce plateau, elle se fait soit automatiquement, soit manuellement, comme sur l'AzorTrax. Vous avez également un écran couleur tactile de 4,7 pouces que vous pouvez voir ici. Donc au niveau des têtes, vous pouvez les échanger très facilement, donc simplement en basculant ce capot. Donc un système très pratique, mais pour un tarif de 300 € chacune. Au niveau de la connectivité, on a comme sur l'AzorTrax le Wi-Fi, le LAN et l'USB. Vous avez en option la possibilité de mettre un capot pour un montant de 350 €, ce qui permettra de rendre la machine complètement fermée. Au niveau du filament, donc à l'instar de ces deux autres concurrentes, l'AzorTrax et la Raise, le filament est du 2,85 mm et il se trouve à l'arrière de la machine, je vous le montrerai également tout à l'heure. Vous pouvez y installer une polybox pour le PVA pour une soixantaine d'euros. Au niveau de la sécurité, on trouve, comme sur l'AzorTrax, une caméra et un filament run-out sensor. Donc lorsqu'il n'y a plus de filament, la machine vous prévient, mais il n'y a pas de sensor quand le filament est bloqué dans la tête. Au niveau du software, on utilise le très populaire Cura, mais également Ultimaker Connect, qui vous permet de gérer plusieurs imprimantes pour les fermes d'impression notamment. Nous allons donc maintenant découvrir la Raise 3D Pro 2, donc qui commence à un prix de 3 500 € hors taxe. Elle est donc la machine la moins chère des trois que nous vous présentons aujourd'hui, mais également celle qui a le plus grand volume, puisqu'on le volume d'impression est de 305 par 305 par 300 mm, ce qui représente 27,9 litres. Donc vous pouvez apercevoir le volume d'impression ici. La machine, comme l'Ultimaker, est livrée avec des bus de 0,4 mm, mais vous pouvez y installer des bus de 0,2, 0,6, 0,8 et également 1 mm. La température maximum de ces bus est de 300 degrés et la résolution comprise entre 10 et 800 microns, toujours pareil en fonction des bus que vous utiliserez. Au niveau du plateau, c'est un plateau en aluminium recouvert d'un BuildTac qui peut atteindre des températures de 110 degrés. Au niveau de la calibration, la Pro 2 est un peu différente des deux autres puisqu'elle est pré-calibrée en usine. Et donc vous n'avez simplement qu'à calibrer le Z, donc la distance bus-plateau, grâce à une vis qui se trouve sur le côté de l'imprimante et qui fonctionne avec un capteur optique. Donc vous avez également le plus grand écran des trois puisque la machine est livrée avec un écran de 7 pouces. Vous avez également la possibilité de changer facilement les hot-ends. Il vous en coûtera simplement 80 € hors taxe et pour chaque buse 20 €. Au niveau de la connectivité, exactement pareil que les deux autres, puisqu'on a le Wi-Fi, le LAN et l'USB. Une grosse différence au niveau de la Pro 2, c'est qu'elle est livrée entièrement couverte. Donc le capot supérieur que vous voyez ici est livré avec la machine et il contient également un filtre HEPA. Au niveau du filament, donc comme l'AzorTrax, on est sur du 1,75 mm. Et la différence avec les deux autres, c'est que le filament est à l'intérieur de la machine, donc ce qui permet de le garder au chaud, donc là ici sur le côté comme vous pouvez voir. Mais si vous préférez utiliser une polybox, c'est également possible puisqu'il y a deux entrées sur le côté du carénage qui vous permet de faire passer le filament. Au niveau de la sécurité, donc on se retrouve sur des caractéristiques similaires à l'Ultimaker puisque nous avons une caméra, le run-out sensor,
mais en plus la récupération en cas de coupure de courant. Et pour finir, donc, le software, le très connu également Idea Maker, et depuis peu une solution de cloud management qui s'appelle le Race Cloud et qui vous permet de piloter l'activité complète de vos impressions via ce logiciel. Alors, comme convenu, nous voyons maintenant l'arrière des imprimantes. Vous ne verrez pas la Race 3D puisque, comme nous l'avons mentionné lors du détail de cette imprimante, les bobines sont sur le côté de la machine et donc il n'y a pas de nécessité de vous montrer l'arrière. Donc sur la Zortrax, vous pouvez voir ici le support qui permet de mettre de grosses bobines de 2 kg. Vous avez également pour les filaments de supports qui sont très sensibles à l'humidité, une boîte fermée avec du gel silica. Et on voit également les deux run-out sensors que vous trouvez ici et ici, qui permet à la machine de savoir s'il y a du filament ou non. Ensuite, sur l'Ultimaker S5, on peut voir donc les bobines s'empilent les unes derrière les autres et sont maintenues par cet accessoire en plastique. Vous avez donc les deux extrudeurs qui incluent les run-out sensors, et vous avez en dessous une puce NFC pour détecter le type de matériau qui va être intégré. Nous recommandons l'usage d'une polybox pour le filament de support, puisque comme dit précédemment, il réagit assez mal à l'humidité, et donc comme il n'y a pas de solution de maintien de cette humidité, il est préférable de prendre une polybox à part. Donc voilà pour l'arrière des deux machines. Alors nous faisons donc une petite update après 2 heures d'impression à peine. Donc nous pouvons voir le travail sur la Zortrax M300 Dual est très propre. Là vous voyez un exemple du switching du nozzle. Donc pour l'instant tout va très bien et l'impression se déroule parfaitement. Alors maintenant, l'update sur la Ultimaker S5. Donc on voit peut-être pas forcément très bien à l'image, mais nous allons devoir arrêter l'impression. Tout simplement parce que ici, vous voyez que le filament s'est cassé. Et donc, nous sommes obligés de reprendre l'impression. Donc le problème vient du fait que le run-out sensor se trouve à l'arrière de la machine, et donc pour la machine, pour l'instant, il y a du filament qui arrive jusqu'à la tête, alors qu'en fait il était cassé. Donc nous allons arrêter l'impression et la reprendre. Nous devrions rattraper les autres machines puisque à la base il y avait moins de temps d'impression. Nous vous tenons au courant dès que nous relançons une nouvelle impression. Donc voici maintenant l'update sur la Race 3D Pro 2. Donc nous voyons que l'impression se déroule correctement. Il y a une toute petite différence avec la Zortrax M300 puisqu'on voit qu'il y a un petit peu plus de stringing par rapport à la Zortrax. Mais dans l'ensemble, tout se déroule correctement. Donc nous vous tenons au courant d'ici 2 heures pour la suite de l'impression. Donc comme nous avons évoqué, l'Ultimaker S5 a eu un problème au niveau du filament. Donc nous allons devoir arrêter l'impression, déterminer quel était le problème, pourquoi le filament s'est cassé, et ensuite relancer l'impression depuis le départ. Malgré cela, l'impression devrait être finie avant la Zortrax et devrait finir à peu près en même temps que la Race 3D Pro 2. Donc dès que l'impression sera relancée, nous referons une vidéo pour faire le point. Thank you.
Donc nous revoilà pour une update sur l'impression sur les différentes machines. Donc pour la Zortrax M300 Dual, tout se passe très bien. L'impression est très propre. Le type de support nous rappelle un petit peu ce qu'on peut retrouver sur certaines Stratasys. Donc pour le moment, tout va très bien. Alors nous revoilà sur les impressions donc avec l'Ultimaker S5. Donc après le premier problème que nous avons rencontré, nous avons appelé un de nos collègues qui a un peu plus l'habitude que nous sur Ultimaker et il nous a partagé quelques trucs et astuces. On a effectivement revu tout le slicing. Donc on est passé à 8h40 sur le temps d'impression. Donc elle reste toujours la plus rapide et maintenant l'impression se déroule correctement, donc pas de problème en vue pour l'instant, donc tout va bien. Retour donc sur la Race 3D Pro 2 avec la double extrusion. Donc sur la Race 3D Pro 2, tout se déroule correctement, la qualité est très bonne, une structure un peu différente de la Zortrax M300 Dual, mais sinon tout est parfait. Donc nous reviendrons par la suite sur cette impression. Donc les impressions sont maintenant terminées, les trois impressions ont été réalisées avec succès. Nous avons donc eu 11 heures d'impression sur la Zortrax M300 Dual, nous avons eu 8h45 sur la Ultimaker S5 et pour la Pro 2 de Race 3D, nous avons eu 10 heures au final. Les trois impressions ont été très correctement réalisées. À première vue, nous voyons que sur la Zortrax et sur la Race, le résultat semble meilleur. Nous allons faire une vidéo d'une vue détaillée de chacune des impressions. Il a été dommage que la Ultimaker ait raté la première impression, mais au final, le temps d'impression reste quand même inférieur aux deux autres. Donc nous allons maintenant vous montrer le détail de chacune des impressions. Donc voici la vue détaillée de l'impression sur la Zortrax M300 Dual. Donc on peut voir que la qualité de l'impression est très bonne sur sa globalité. On voit également que le support a été très bien réalisé avec le PVA, une structure qui rappelle très fortement, comme on l'avait dit, la structure de support sur Stratasys. Donc une impression de très bonne qualité. On voit que les angles sont également très bien réalisés. Donc vraiment une très belle impression sur la globalité. Le seul petit bémol que l'on peut apporter est qu'il y a un petit peu de PVA, de déchets de PVA sur le plateau, mais ce qui paraît normal sur des impressions de ce type. Donc voici la vue détaillée de l'impression sur Ultimaker S5. Donc on voit que l'impression a été très bien réalisée sur sa globalité. Le support rappelle très fortement celui sur la Zortrax M300 Dual. On peut voir que les angles et les arêtes ont été un petit peu moins bien réalisés que sur la Zortrax, mais sur sa globalité, l'impression est très propre. La tour de transition est un peu différente que sur la Zortrax puisqu'elle est située au fond à droite du plateau, comme vous pouvez le voir ici. Sinon, l'impression a été correctement réalisée sur la Ultimaker S5. Voici donc la vue détaillée sur l'impression de la Race 3D Pro 2. Donc on peut voir que l'impression a été très bien réalisée. La structure du support est un petit peu différente des deux autres machines. Il y a un petit peu moins de support qui a été utilisé, mais le résultat est très bon. Sur l'impression en globalité, nous pouvons voir qu'elle est très bonne puisque l'état de surface est très bon, les arêtes ont été bien terminées, donc une très bonne impression sur sa globalité. Donc nous venons de mettre les trois impressions dans l'eau afin de dissoudre le filament de support. Nous verrons approximativement les résultats d'ici une heure. Probablement plus rapidement sur le modèle de la Race 3D puisque moins de support avait été utilisé. Également le filament était différent puisqu'il s'agissait d'un BVOH à l'instar des deux autres avec du PVA. Donc nous reviendrons très rapidement pour voir le résultat final.
Donc voici une update sur la dissolution du filament de support sur les trois impressions. Donc comme on peut voir sur la Race 3D, l'avancement est déjà très bon. On peut déjà bouger la partie intérieure. Le filament est presque complètement dissous après à peu près une demi-heure. Sur la Zortrax, on peut voir que la partie intérieure ne bouge pas encore. Il reste beaucoup de support. Je pense que cette pièce va terminer la dissolution en dernier. Et sur l'Ultimaker, on voit que le filament est en train de se dissoudre. On ne peut pas encore bouger la partie intérieure, mais je pense que ce sera bientôt le cas. Donc cette impression devrait être finie en second. Donc nous voici finalement pour la visualisation finale de notre impression de test. Nous allons commencer avec la Race 3D Pro 2. Donc vous pouvez voir que l'impression globale est très bonne. L'overhang a été bien respecté, même si on peut voir quelques petits défauts sur les faces inférieures. Sinon, les faces, les arêtes sont plus que correctes. Donc une très bonne impression pour Race 3D. Un gros point positif aussi pour le filament OBVH, puisque le support a été dissous en 30 minutes, entre 30 minutes et 1 heure. Très positif pour la Race. Ensuite, pour Ultimaker, on est à peu près dans le même cas de figure. L'overhang a été bien respecté. On peut voir encore un peu de brime. L'état de surface est un petit peu moins bon puisqu'on peut voir les layers. Je ne sais pas si vous pouvez le voir à l'écran, mais on les voit un petit peu plus. Mais sinon, les formes ont été très bien respectées. La dissolution du filament a pris à peu près 24 heures pour l'Ultimaker. Pour finir, donc la Zortrax. Donc état de surface impeccable, un peu meilleur que sur les autres. Par contre, on peut voir que l'overhang a été un petit peu moins bien respecté. Sinon, les formes dans leur globalité sont respectées, les arêtes également. Et la dissolution du filament a également pris 24 heures pour la Zortrax. Donc voici un nouveau test, donc un torture test qui nous provient de chez Polymaker. Donc une fois de plus imprimé de la même manière sur les trois machines. Donc en 100 microns avec 25% de remplissage. Donc nous allons voir tout de suite le résultat sur la Race 3D Pro 2. Donc on peut voir que le résultat global est très bon. On ne voit pas de stringing apparent sur l'ellipse ni sur le dessous des sphères. La partie pointue est parfaite. La surface également de la base est parfaite. Donc une impression parfaite. Maintenant, l'Ultimaker. Donc on peut voir que l'impression globale est très bonne. On a simplement l'overhang de la sphère supérieure qui a été un petit peu moins bien réalisé et un petit peu de stringing sur l'ellipse. Sinon, les surfaces sont très bonnes. Donc l'impression est très bonne également. Et donc pour finir sur la Zortrax M300 Dual, donc on peut voir que la partie supérieure a été moins bien réalisée sur la partie pointue, n'est pas droite et on voit également les layers apparaître. Sur les sphères également, la partie inférieure de la sphère a été moins bien réalisée, du stringing sur les ellipses. Par contre, la partie supérieure de la base reste très correcte, donc une impression moyenne on dira. Alors je vous présente maintenant une nouvelle série d'impressions donc en nylon. Donc nous avons du nylon pour Zortrax propriétaire, également pour Ultimaker. Et pour Race 3D, nous avons pris un nylon
classique PA6 66. Donc on va commencer encore une fois par la Race 3D. Donc vous pouvez voir que l'impression dans sa globalité est bonne. L'état de surface supérieure et des faces est correct, même si on a quelques petites déformations. Au niveau du overhang, ce qui nous intéresse, on voit qu'il y a un petit peu de stringing. Rien d'alarmant, car il s'agit d'une pièce très compliquée et de filaments nylon. Donc une impression plutôt correcte pour la Race. Ensuite, l'Ultimaker, on est sur une qualité d'impression similaire à la Race. L'état de surface est très bon. On retrouve les mêmes difficultés aux mêmes endroits, donc sur le dessous, sur les arrondis, mais également sur les overhangs plats. Ces quatre parties-là sont imprimées. La forme n'est pas forcément respectée sur les quatre, mais sur la globalité, une fois de plus, une impression plutôt correcte. Et pour finir, nous avons donc l'impression sur la Zortrax, l'état de surface impeccable sur toutes les faces ou sur la face supérieure, sur la face inférieure également. Une fois de plus, aux mêmes endroits, nous pouvons voir qu'il y a du stringing. Donc rien d'alarmant non plus, hein, puisqu'il s'agit d'une impression difficile et d'un matériau assez compliqué à imprimer, mais une très bonne qualité dans sa globalité. Donc nous voyons maintenant des impressions en PETG. Comme vous pouvez le voir, il n'y en a pas pour Ultimaker pour la simple et bonne raison que nous n'en avions pas. Nous souhaitions quand même vous le montrer car le PETG et les solutions de support soluble sont une très bonne combinaison, puisque avec du PETG il est assez compliqué de retirer le support si on utilise le même matériau. Nous allons commencer avec la Race. Donc on peut voir que l'impression est de très bonne qualité, toujours du support intérieur, ce qui est un peu différent de la Zortrax. L'état de surface supérieur est bon, inférieur également, celle des faces de même. On peut voir un petit peu les layers sans que ce soit problématique. Et les arêtes également, on peut voir quelques petits défauts, mais sinon dans sa globalité l'impression est très correcte. Et ensuite pour la Zortrax, donc on peut voir toujours ce support qui est à l'extérieur également, très bonne qualité sur toutes les faces. Et on peut donc voir un meilleur état de surface puisqu'on ne voit pas les layers. Également, les arêtes n'ont aucun défaut. Donc, très bonne impression pour la Zortrax M300 Dual. Donc, nous revoici pour un des tests que nous avons effectué, donc une fois de plus sur le overhang. Donc, cette fois, au lieu de l'ABS, il s'agit du PLA, toujours la même chose, donc sans support et avec un raft. Donc, la première impression, il s'agit de la Race 3D Pro 2. Donc, nous pouvons voir que la qualité globale de l'impression est très bonne sur le PLA. Nous voyons un petit peu moins de stringing que sur l'ABS. Sur la face du dessous également. Toutes les faces ont un très bon finish. Et le overhang, dans sa globalité, a été très bien géré. Maintenant, Ultimaker S5. Donc, nous pouvons voir un petit peu plus les layers sur cette impression que sur celle de Race. Nous voyons que le overhang a été correctement géré, même si la partie inférieure l'a été un petit peu moins. L'impression générale reste de bonne qualité, même si elle est un petit peu inférieure aux autres. Et pour finir, la Zortrax M300 Dual. Donc, nous voyons également que la surface générale est correcte, le overhang a bien été géré,
Même s'il aurait pu, par exemple, sur ces parties-là, être un petit peu meilleur. Mais sinon, l'état de surface est bon. Nous voyons un petit peu les layers ici. Mais dans sa globalité, l'impression est bonne. Donc, nous voici à la conclusion donc de cette vidéo sur le comparatif entre Zortrax, Ultimaker et Race 3D. Donc, nous allons commencer avec l'Ultimaker. Donc, une très belle machine, hein, comme vous avez pu le voir, très bien conçue. La machine utilise quasiment tout le volume disponible. Donc, elle est un petit peu moins imposante que les deux autres. Tout est bien pensé sur cette machine. L'avant donc des portes en verre, enfin tout est bien conçu. La machine est très jolie. Après, très honnêtement, on attendait un petit peu plus de cette machine puisque c'est celle qui est la plus chère des trois. Mais sinon, dans sa globalité, la machine fonctionne très bien. Elle est très facile à prendre en main. Vraiment sortie de la boîte, on peut l'utiliser. L'écran tactile est également très fonctionnel, fonctionne très bien. Donc une bonne machine, mais pour laquelle on attendait un petit peu plus au final. Ensuite, la Zortrax M300 Dual, donc une très bonne machine sur sa globalité. Vous l'avez vu sur les impressions, elles ont toutes été très bien réussies. Les caractéristiques techniques aussi de la machine sont très bonnes, très bien conçues également. La structure de la machine est très rigide. Le display, à mon avis, est peut-être un peu petit et pas forcément facile à utiliser, mais la machine fonctionne parfaitement bien. Il faut noter également que, en petit point négatif, que la machine est très fermée, si on peut dire, puisque il faut en priorité utiliser du filament Ultimaker et dans le slicer du filament Zortrax, pardon, et dans le slicer, on se retrouve un petit peu bloqué et on ne peut pas forcément mettre les réglages que l'on veut. Et donc pour finir, la Race 3D Pro 2, donc très bonne machine, comme on l'avait vu, elle est entièrement fermée puisque le capot est livré avec, les filaments sont à l'intérieur de la machine, ce qui est intéressant également. Elle a le plus grand display qui fonctionne très bien, qui est très réactif et qui permet une navigation facile dans les menus. Vous l'avez vu également, donc au niveau des impressions, très bonne qualité puisqu'on est quasiment égal avec la Zortrax sur ces deux machines, mais un plus gros volume pour la Race 3D et un tarif plus intéressant. Donc sur cette conclusion, nous pouvons dire que dans sa globalité, les trois machines fonctionnent bien. Je mettrai un petit plus pour la Race 3D et on attendait un petit peu plus de l'Ultimaker et Zortrax reste fidèle avec une très bonne machine. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo de test par OKM 3D.